Bonjour à tous, c'est YouGames et bienvenue dans la suite du guide des trophées du jeu The Last of Us Remastered sur PS5. Aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine 12, jour 6 du mode façon multijoueur dans le clan Luciole. Dernière journée, dernière partie, dernier jour de la mission où j'ai déjà effectué plus de 15 exécutions. Lors de la précédente partie, on s'est fait battre à plate clôture. Ils ont ouvert notre coffre, tandis que nous, on n'a pas fait un seul cran. Ah, ils avaient des armes puissantes et ils étaient bien organisés. Toujours à nous encercler. Mais là, du coup, c'est le dernier jour du voyage de la Luciole et on va se prendre au moins 20% de survivants à l'issue de cette partie. Trois contre trois, c'est faisable. Quatre, voilà. Et ben voilà quelque chose qui est un petit peu plus équilibré. Même si je vois qu'il y a quand même 5 joueurs qui. Allez, on va dire même 6 joueurs qui sont plutôt pas mal. Pas le centre-ville. Ah, le centre-ville, c'est un cauchemar. On a repéré des chasseurs dans le coin. Faites gaffe. Compris. Un chasseur, attention! Cible atteinte! Toi, je vais pas tenir. Je m'en occupe. Enfumons-les. Je vais pas tenir. Je suis touché. On est un vagabond. Je suis touché. Un de moins.
Tiens bon, allez, je vais te soigner. Je m'en occupe. Heureusement que t'étais là. Un chasseur! Fini, on bouge. Qu'on me couvre pendant que je me soigne. C'est terminé pour toi. Hey, Michel. Ok, c'est bon. Ce chasseur nous fera plus chier. Je suis touché. Oh, il faut que quelqu'un m'aide. Touche-toi, je vais pas tenir. Cible atteinte. Je suis touché. Je m'en occupe. Ce vagabond nous fait plus chier. Dépêche-toi, je vais pas tenir. Heureusement que t'étais là. Heureusement que t'étais là. C'est bon. Bon d'avancer, fais gaffe. Monte la garde. Juste une minute. J'ai fini, on bouge. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Un vagabond ! Je suis touché ! Je m'en occupe. Je m'en souviendrai. J'ai besoin de mes docs. Là-bas dans le coffre. Ça va péter. Je leur lance un fumigène.
fumigène. Je suis touché. Fumigène. Je vois plus rien. Fini, on bouge. Ah, je suis touché. Est-ce que quelqu'un vit? Ce vagabond là nous fera plus chier. C'est bon. Je suis touché. Ça va péter. Il faut que... Oh, ok, il est mort. Je me vide de mon sang. Je suis touché. Ce chasseur-là nous fera plus chier. Couvre-moi, je dois me soigner. On va avancer, attends. Attention. Fini, on bouge. Je m'en occupe. Je m'en souviens. J'ai besoin. Protège-moi. Protège-moi. Ok, c'est bon. Couvre-moi. Fini, on bouge. Bombe amorcée, fais gaffe.
bombe amorcée, fais gaffe. Tout est terminé. Touché! J'ai 1 minute 20 pour pouvoir aller chercher ces deux trucs que j'ai fait tomber. Mais sans se faire remarquer, ça va être difficile. Et voilà, trophée de la Luciole obtenu. Plus 7. 86 survivants, moins 20%. Ce qui fait 18 membres du clan qui sont morts lors de l'attaque des chasseurs, 68 survivants au total. Nouveau aimant de personnalisation, un booster à usage unique offert, 2 offert, 3 offert. Douze semaines de survie, une volonté admirable. Malgré les attaques incessantes des chasseurs, vous avez réussi à localiser le matériel médical et à tenir assez longtemps pour permettre à l'équipe d'extraction de tout récupérer. Nous avons fait un pas de plus vers le remède. Comparez vos performances, 16 jours de moins que la moyenne, 16 jours de moins que la moyenne locale. C'est quoi ça, les 16 jours? Ah oui, oui, il me manque plus que 16 jours pour être au-delà de la moyenne. Parce qu'en fait, les gens, en principe, ils s'arrêtent 16 jours après avoir fait 12 semaines. Bref, vous êtes classé 599 565 sur 404. Donc en gros, il y a 4 millions de joueurs, ou 4 millions de comptes. Meilleure taille de clan mondial, 512. La taille maximum de votre clan était de 88. Et maintenant, on doit choisir. Survivant d'une ancienne zone de quarantaine mettant en place des tactiques personnalisées, leur organisation est dictée par la loi du plus fort. Leur loyauté envers le groupe est sans borne. Tue ceux qui essaient de prendre leur territoire ou leurs ressources, cherche à s'agrandir pour combattre les autres factions et trouver des provisions. Votre choix de faction dure jusqu'à ce que votre clan meure ou survive assez longtemps pour l'emporter.
Donc, dernier voyage donc du chasseur avant d'obtenir donc les derniers trophées qui nous manquent. 12 semaines. Un important convoi d'armes traverse le territoire ennemi. Il pourrait nous permettre de prendre l'avantage sur les Lucioles. Établissez un camp et attendez le passage du convoi dans 12 semaines. Semaine 1, jour 1, du coup, ce sera donc dans la prochaine partie. Prochaine vidéo qui sera disponible juste en bas à droite dans l'écran de fin. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Ainsi que activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications de mise en ligne de mes vidéos. Et vous m'aiderez ainsi à activer le chapitrage dans la barre de lecture de YouTube, même si dans ces vidéos du mode multijoueur, celui-ci ne servira à rien. Nous avons donc débloqué un nouveau chapeau, casquette d'officier de marine. Un nouveau geste, même deux, craquement de la nuque et pas loin. Et enfin, des emblèmes concernant donc du coup population de 40 après 12 semaines. Et bien il faut faire la même chose avec la population de 85 après 12 semaines. Et nous allons recommencer donc avec 5 survivants. Les boosters à usage unique a priori ont été débloqués donc pour cette partie. Je ne sais pas si on va en débloquer d'autres, mais en tout cas les missions se sont remis à zéro. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo, semaine 1, jour 1 du clan chasseur, disponible dans la prochaine vidéo, disponible juste en bas à droite. A tout de suite donc, ciao.